Bon matin, alors, ce matin, la phrase du jour, avec ma coloc qui passe en arrière-plan. Ok, alors, je finirai l'horrible peinture avec le jeune et gentil fermier. Alors, je, premier mot, je. Deuxième mot, mais t'as-tu mis ta majuscule? Finirai, le verbe finir au futur. Et là, comme c'est je, c'est première personne singulier. Je finirai. Prochain mot. L'horrible. L'horrible. Je finirai. L'horrible. En passant, c'est comme le horrible, on met un L apostrophe parce qu'on ne peut pas dire le horrible. Horrible, ça commence avec un H. Mais les mots qui commencent par avec un H, on n'écrit pas le ou la. On fait une liaison. Ça fait l'horrible. Je finirai l'horrible peinture. Peinture. Le son N dans peinture s'écrit un petit peu différemment. Il y a un E dans le son N. E-I-N. Peinture. Je finirai l'horrible peinture avec. Oublie pas, tu mets un espace entre chacun de tes mots, hein? On écrit clairement, on s'applique. Je finirai l'horrible peinture avec. Prochain mot. Le. Prochain mot. Jeune. Jeune. Prochain mot. En jeune, c'est j, le son e, ne. Prochain mot. Et. Je finirai l'horrible peinture avec le jeune et gentil. Gentil. Attention, dans le mot gentil, il y a un L muet. Pourquoi il y a un L muet? Parce que le monsieur gentil se prépare à se transformer en madame gentille. Quand on veut savoir c'est quoi la lettre muette à la fin d'un mot masculin, on le met au féminin pour voir comment ça devient au féminin. Ça nous donne un bon indice quelle lettre va être à la fin. Gentil, avec un L à la fin. Dernier mot. Fermier. Fermier. Toute la phrase. Vérifie que tous tes mots sont là. Je finirai l'horrible peinture. Avec le jeune et gentil fermier. Point. Dis-moi si tout est bon. Puis, est-ce que t'as tout bon? Bonne fin de journée!